Je participe à la bottine pour déjà l'événement et pour la cause, parce que voilà, on est tous concernés, je pense, en tant que femmes. Et voilà, je trouve que c'est un bel événement pour Nevers, ça sensibilise beaucoup de monde. Et en plus, il y a plein de gens qui viennent nous encourager, donc c'est hyper sympa. Et voilà. Eh bien, c'est une épreuve particulièrement nivernaise, ça attire tout le monde, et surtout, c'est dans l'intérêt de tous. On est tous concernés à un moment ou à un autre, que ce soit soi-même, ses proches. Moi, pour le coup, j'ai quelqu'un de proche qui est concerné. Ben, ça me permet de me raser une fois par an. Je fais la moustache donc, pour la bonne cause, hein, donc, qui est pour le cancer. Donc. D'autant plus que je suis bénévole à la Ligue contre le cancer, donc d'autant plus concerné, voilà. Et puis bon, je veux dire, pour la ville, pour la santé, je veux dire, c'est une bonne chose de faire cette course, quoi. Voilà. Tout d'abord parce que c'est pour une bonne cause, ensuite parce que j'aime le trail, donc c'est l'occasion vu qu'il y en a un sur Nevers. C'est une bonne ambiance, on se retrouve, on est assez nombreux, sur deux jours en plus ça met beaucoup d'animation sur Nevers, donc c'est l'occasion. Écoutez, la bottine, c'est un événement maintenant qu'on connaît, hein, puisque ça fait plusieurs années, donc c'est une nouvelle édition supplémentaire avec un succès grandissant. Les femmes qui jouent le jeu, d'ici, d'ailleurs, donc c'est voilà, assez exceptionnel la façon dont l'évolution s'est faite. Et puis moi, ce qui m'intéressait une fois élu maire, c'était de lancer un trail dans Nevers. Antoine de Ville avait aussi cette idée, donc on s'est rejoint. Et puis comme il travaille aussi pour la ville de Nevers, et en tant que président de son association, voilà, on a lancé ce trail qui a démarré l'an dernier. Et j'espère que ben, les hommes seront plus à la hauteur en nombre cette année. Vous courez également, n'est-ce pas ? Je cours également, voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de participer à cet événement, une fois que vous êtes dedans ? Écoutez, la course à pied d'abord pour cette cause-là, je rappelle que c'est aussi pour lutter contre les cancers du sein pour les femmes, et des cancers notamment de la prostate pour les hommes, donc il y a déjà une cause à défendre et une bonne partie des frais d'inscription justement va à la recherche pour lutter contre ces maladies qui tuent encore malheureusement aujourd'hui. Donc ça, c'est la première des choses qui doit motiver tout le monde, parce que tout le monde peut le faire. Et puis la seconde, quand on aime le sport, quand on aime la course à pied, comme c'est mon cas, bah, c'est de faire un effort, d'aller au bout de soi-même, de mieux se connaître parce qu'on est face à soi-même. Dans les sports individuels, voilà, c'est un peu un combat, hein, parce que les 14 ou 15 km sont pas si faciles que ça, avec beaucoup de montées, de marches, etc. Donc voilà, il y a un petit défi personnel à relever. Et puis en ce qui me concerne, je ne dis pas que je suis un maire normal, mais en tout cas, ce que je faisais avant, je continue à le faire aujourd'hui. Donc aucune raison de ne pas y participer, bien au contraire. Non, bah, c'était une super soirée. Nous, on est très heureux d'avoir lancé cet événement aujourd'hui. Le 8 mars, c'est toujours une date un petit peu symbolique pour nous. Et puis on travaille depuis des mois sur l'événement, donc voilà, il était temps de le dévoiler entre guillemets au grand jour. On fonctionne un petit peu en teaser d'année en année, de mois en mois, donc voilà, on avait à cœur de montrer le nouveau visuel, les nouveaux maillots et puis d'avoir une reconnexion avec nos participantes et nos participants. Ouais, la soirée est remplie, on est très contents. A priori, les participantes et les personnes présentes ont été satisfaits de la soirée. On leur a fait un petit coin un peu cocooning où ils pouvaient voilà, prendre soin d'elles, se refaire coiffer, essayer les chaussures, du massage, etc. Donc il y avait même aussi une petite conférence sur la détox de printemps. On est en plein dedans avec le mois de mars. Donc non, ça a été une soirée, j'espère, réussie. Quelques complications au départ avec le fameux rush de 18h, avec les personnes qui se sont inscrites aussi de chez elles, plus nous. Voilà, le système a un petit peu planté, mais voilà, on va essayer de retravailler tout ça pour que l'événement soit de plus en plus fiable. Ouais, voilà, sont au rendez-vous et puis inscrivent vraiment cet événement-là dans leur calendrier en répondant présent aussi à toutes les nouveautés qu'on met en place encore cette année et j'espère sur les années futures. Le maillot a bien plu, donc ça c'est toujours le point un petit peu interrogatoire de l'année. On essaye de faire quelque chose d'atypique qu'on ne trouve pas sur toutes les manifestations. Voilà, j'espère que cette année il y aura une belle vague rose, une belle vague bleue et que voilà, on récoltera encore une somme suffisante pour pouvoir aider la Ligue contre le cancer de la Nièvre qui en a fortement besoin. Merci et rendez-vous au mois de juin. Bye bye.